Hein? Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Marcel Guilavogui. La défense. Merci. Monsieur Guilavogui, je suis toujours sur l'étape de la clinique Ambroise Paré. À quel endroit précis de la clinique vous avez stationné votre véhicule? La Pathfinda. C'était garé à quel niveau précis? La clinique Ambroise, je pense bien le goudron à traverser. Hein. Moi, j'étais derrière. Quelle est la distance qui séparait votre véhicule de celui de colonel Moussa Tcheboro Camara? Je n'ai pas calculé les distances. À peu près. Je n'ai pas calculé. Merci. Il n'y a pas de supposition. Et après tout, hein, tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, après la forfaiture, quel est le chemin que vous avez emprunté pour regagner le camp Alpha Air? J'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes passé par l'Andrea, comme le commandant Toumba? De la gendarmerie, partout Toumba a passé jusqu'au camp Alpha Air. C'est cette trajectoire que j'ai pris. Merci. Vous confirmez que le 27 septembre 2009, vous étiez malade, alité. Est-ce que vous avez indiqué dans votre PV ici? Vous le confirmez? J'ai plus de réponse à ces questions. Vous dites également que vous n'étiez pas au courant du meeting qui devait se tenir au stade du 28 septembre. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci, M. Guilavogui. Mais vous savez que cela quand même était impossible au regard de votre position stratégique à la présidence. Vous savez que c'est impossible. Vous avez appris qu'un meeting devait se tenir au stade du 28 septembre. N'est-ce pas? Je n'ai pas appris. Vous n'avez pas appris.
Mais vous confirmez quand même que le 27 septembre, vous étiez présent à une manifestation organisée par une communauté, je m'interdis de le dire, alors que vous étiez malade. Qu'en dites-vous? Vous étiez présent. Je n'ai pas de commentaires, j'ai beaucoup expliqué ça. Merci. Vous savez qu'à cette occasion, pour ceux qui étaient présents, vous avez pris la parole. Solennellement, vous avez fait des déclarations. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos que vous avez tenus ce jour-là, à l'occasion de cette manifestation? Je ne me souviens pas de ça. Vous n'avez pas mis l'assistance en garde de se rendre au stade du 28 septembre? Vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas dit aux gens de ne pas se rendre au stade du 28 septembre parce que vous allez sévir? Ça n'a pas été dit par vous, M. Guy Lavogui? Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Voilà. Je ne me rappelle pas. Vous savez que la presse était là, les médias étaient présents, vous le savez. Oh, bon, je ne vérifie pas ça. Non, la RTG était là. J'ai dit, je ne vérifie pas ça, si elle était là ou pas. Ok. Le moment opportun, on apportera les éléments audiovisuels. Il n'y a pas de problème. Monsieur Guy Lavogui, le tribunal, j'ai remarqué, hein, peut-être que j'ai pas très bien suivi, le tribunal ne vous a posé aucune question. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais demandez au tribunal, je n'ai rien à rajouter ça. Le c'est, tribunal, à vous, c'est à vous que je n'ai pas de réponse. C'est le tribunal qui a choisi de faire ainsi. Ce n'est pas à moi de juger le tribunal. Merci. Si vous voulez juger, jugez le tribunal, mais pas moi. Je ne juge pas, je n'ai pas la prétention de juger un tribunal, moi. Monsieur Guy Lavogui, je suis vers la fin. Vous savez que, vous l'avez toujours réitéré, notre histoire est en grande partie falsifiée. Chacun raconte de sa manière. Vous avez une chance ultime de restituer in extenso ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. D'élucider, pour permettre à ce tribunal-là d'élucider les crimes les plus crapuleux commis au stade du 28 septembre, M. Guy Lavogui. Mais je réitère que vous n'avez pas encore eu le courage de le faire. Pourquoi? Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai raconté. Je ne dis pas ce que vous pensez pour couvrir ce dont vous voulez couvrir. Vous n'estimez pas, comme vous l'avez dit, qu'il vous faut plus de courage pour libérer ce peuple? Moi, je suis courageux, c'est pourquoi j'ai tenu, je suis venu, j'ai réitéré ce que je devais dire. Ce n'est pas ce que vous voulez. Est-ce que tu peux communiquer ça? Est-ce que vous fréquentez le commandant Toumba à la maison d'arrêt de Conakry? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vos clients sont dans la même cellule, hein. C'est ici, ils sont ensemble. Hein. Non, je ne parle pas de mes clients. Bah, parlez-vous des clients, ne parlez pas de ma vie, de la prison. Venez passer la nuit avec nous, vous savez, si on votre, se fréquente. Votre vie en prison m'intéresse. Non, vous n'êtes si. Pas mon avocat. Ça m'intéresse. Quand je dis que ça m'intéresse, c'est pour vous poser des questions. Non, ça vous intéresse. Parce que si vous êtes en prison, c'est par rapport à ces événements. Posez-nous les questions. Depuis 14 ans, je ne vous ai jamais vu. Monsieur Guy Lavogui, on va vous communiquer une photo là. Vous allez me dire à quelle occasion cette photo là a été prise. Ils n'ont pas reçu. Ah, ils ont reçu. Oui. À quelle occasion vous avez pris cette photo? C'était à quelle occasion? Mais je ne sais pas, les photos, c'est des gens qui prennent les photos, c'est pas grave. Mais c'est votre photo.
Mais c'est pas grave. C'est vous, non? C'est vous qui êtes sur la photo. Mais la photo, c'est moi, il n'y a pas de problème. Et le commandant Toumba? C'est un problème. Non, je pose la question. Et le troisième, c'est qui? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous lui serrez la main? Mais je ne sais pas, c'est ma photo qui m'avait demandé, c'est ce que j'ai reconnu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le stade 28 septembre. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici, cette photo? Vous pouvez m'expliquer? Je n'explique rien, c'est vous qui avez envoyé expliquer. Je ne connais pas, c'est pourquoi je pose la question. Qui vous a donné? Donnez celui qui vous a donné, demandez-lui. Moi, je n'ai aucune explication à cette photo. Ok, monsieur le président, j'en ai terminé. Merci bien. La défense n'a plus de questions. Oui, les conseils, il n'y a pas de questions. Oui. C'est effectif que le camp Kalea a existé. C'est effectif, oui ou non? Votre micro. Allumez-le. Voilà, parlez maintenant. Le camp Kalea a existé, effectivement. N'est-ce pas? Le camp Kalea a existé avant même l'avènement du CNDD, si j'ai bonne mémoire. Très bien. Le groupe suspect, non officiel, est passé effectivement par ce camp, oui ou non? Affirmatif. Ce groupe, le pouvoir... Pouvait-il dire qu'il n'a pas connaissance de ce groupe? Ça, c'est pas acceptable. Ils étaient au courant. Un groupe aussi important qui est passé par Kalea. Le pouvoir l'ignore. Le groupe vient au camp Alpha Yaya Diallo. Le QG de la présidence. Le pouvoir dit toujours qu'il ne sait pas. Est-ce possible? Ça, c'est pas acceptable. Il se fie à la négation. On ne peut pas recruter des jeunes gens, un nombre bien élevé d'une nation, que le chef de l'État dise qu'il n'est pas au courant pour refouler la responsabilité à qui que ce soit. Alors, le chef d'État dit qu'il ignore l'existence de ce groupe. N'est-ce pas une faute? Qui nourrissait alors les soldats? Ce groupe a séjourné au camp, selon vous, combien de temps? Camp Alpha Yaya. Vous dites? Ce groupe, le passage de ce groupe. Bon, ils n'ont pas duré, hein, ils n'ont pas duré. Après leur mission, on les avait plus vus. Hein. Combien de temps il a fait au camp, approximativement? Bon, le lendemain du 28 septembre, 28-29, on les a plus, 29, on les a plus vus. Hein. Alors, est-ce que des enquêtes ont été menées pour retrouver au moins un des membres de ce groupe? Aucun élément n'a été arrêté, aucun élément n'a été interpellé, ni intimidé. Marcel, on a tendance à tout mettre sur votre tête les événements du 28 septembre. Est-ce que vous, Marcel, vous êtes capable de massacrer vous seul au 28 septembre, au stade? Je suis d'abord incapable et je ne le ferai pas pour ma nation, pour le serment que j'ai pris avant d'intégrer l'armée. Ça ne me ressemble pas. Le groupe entretenu par le pouvoir. D'abord, nous parlons de la seconde porte, cette porte fameuse, la fameuse porte.
Est-ce que vous en saviez l'existence? La seconde porte? La porte de secours. Est-ce que la garde présidentielle officielle savait l'existence de cette porte? Bon, ce n'est pas tous, hein, parce que c'était clôturé. C'est au moment où il avait fait sacrifice de quelques bœufs. On est rentré par derrière la clôture qui clôturait la porte. Je l'ai vu sortir de la porte arrière. Ah, là, j'ai compris qu'il y a une porte arrière. Vous avez compris qu'il y a une porte arrière? Oui. Monsieur Marcel, que savez-vous réellement de l'existence de la garde parallèle? L'existence de la garde parallèle, c'était des faits réels et concrets, et les agissements, le comportement du président, de ses sorties multiples sans l'avis même de son aide du camp. Ça, c'est consigné, ça nous prouve suffisamment qu'il avait une garde parallèle. Il avait confiance maintenant qu'à ceci. Est-ce que le président Dadis devrait sortir sans sa garde officielle? Bon, vous savez, le pouvoir rend l'homme de foi. Si tu ne prends pas le pouvoir c'est quelque chose de chaud. C'est de la patate. Il faut savoir la manger. Sinon, tu risques de vomir. Sa stratégie n'a pas marché. C'est ça. Le fait d'avoir une garde parallèle, n'est-ce pas une preuve de volonté, de nuisance de la part du pouvoir? Affirmatif. Le camp Makambo, avec quel autre nom bien avant? C'est le camp Koundara. Le fait d'appeler le camp Makambo, camp Makambo aujourd'hui, n'est-ce pas une récompense faite à celui-là qui vous a servi à tout moment? Ça dépend. Ce n'est pas seulement le service, c'est la décision de la transition du général Sékouba Konaté qu'il a voulu ainsi. On pourrait donner même à Samori Touré ou bien à Zegbala Touba Pibi, à d'autres personnes. C'est dû au fait que cet homme a trouvé la mort là-bas. Alors, est-ce que Makambo a été sanctionné par le président Dadis? Jamais, je n'ai pas vu. C'est eux-mêmes qui étaient là à faire aux chasses aux hommes. Est-ce que vous et M. Tegoro, qui est censé être pendant la manifestation, est-ce qu'un gendarme ou un fantassin? Manifestation. Lors des manifestations. Nous, on n'est pas chargé de maintien d'ordre. D'accord. Vous n'êtes pas censé être au maintien d'ordre. Qui est censé avoir un groupe, un gendarme ou un fantassin? C'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Oui. Alors, Tegoro est gendarme ou bien n'est pas gendarme? Tegoro, il est gendarme. Hein? Tegoro a un groupe ou il n'a pas un groupe? Ça a été confirmé par son avocat ici, qu'il avait une dizaine de militaires gendarmes autour de lui. Mm-hmm. C'est son avocat même qui a confirmé. Oui. Ils ont confirmé tout à l'heure, à l'audience ici. Et son client lui dit non, j'étais avec un seul garde-corps. Qu'il était avec un seul garde-corps. Alors, le groupe, la troupe parallèle, formée par Tegoro, Makambo et bien d'autres personnes, n'est-ce pas une réalité?
Bien sûr, c'est une réalité. Les dégâts, les crimes commis au stade du 28 septembre, n'est-ce pas une réalité? C'est une réalité, c'est les faits réels. C'est pourquoi on est là. Le père de la nation, le père de la nation, quel a été son comportement à la suite de ces exactions? Bien, maître, c'est un peu, c'est très simple. Quel que soit le niveau d'une personne, le président Dadis, il était responsable et il était président de la République, n'a pas tenu un discours d'apaisement. Il a cherché le bain de foule autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire. Qu'il est toujours populaire, c'est populaire. Ce qu'il a cherché à faire couvrir, ce qu'il a planifié, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ça. Envoyer les cars, ramasser les gens un peu partout pour se faire populaire. Le voyage de l'abbé du pouvoir, ça criait, il allait ou il n'allait pas. C'était un défi pour le pouvoir à ce moment. Qu'il irait à l'abbé, il a insisté qu'il ira à l'abbé. Il est parti. Pourquoi ce retour brusque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa mission à l'abbé était terminée? Bon, je n'étais pas à l'abbé, je ne peux pas rentrer dans les détails de l'abbé. J'ai dit ici, je n'ai même pas demandé oui. Que s'est passé à l'abbé. Mais quand même, il est rentré à le 27, 5h moins, hein, à Conakry. Le 27? Oui. Ce retour brusque à Conakry, pour Conakry. Et c'était pour encourager le mouvement de sa troupe, de sa garde parallèle, oui ou non? Ah si, je conclue, mais avec tout le résultat qui est tombé, je peux conclure oui. C'est oui, c'est effectif. Parce que c'est une coïncidence, pas vraiment hasardeuse. Oui. C'est le fait. Dadis nie avoir été à l'abbé, au stade du 28 septembre. Mais au moins, il a été au camp Makambo, où il a reçu une balle à la tête, n'est-ce pas? Au camp Makambo, il n'a pas reçu une balle, mais la balle lui a frotté. S'il recevait, il n'allait pas exister. Voilà. Être à Makambo et être au stade, n'est-ce pas la même chose? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient faire au camp Makambo? C'est ça, c'est l'épreuve. Et moi, je n'étais pas au camp Makambo encore. Est-ce que c'était pour juste arranger le béret de Toumba? Oh, arranger, bon, je n'étais pas. C'est le commandant Toumba et ceux qui étaient là-bas qui peuvent relater ça. J'ai dit si, je ne suis pas là à dire ce que je n'ai pas vu. Mais ce qui est clair, stratégiquement, le président ne devait pas se déplacer de la présidence pour aller vers un aide de camp. Tout simplement, si il y avait un processus d'arrestation, c'était de donner l'ordre, soit même si c'est un seul soldat, même une petite unité, arrêter telle personne, mais tu es arrêté. Même la police. Se déplacer de lui-même, cela veut dire qu'il est en accord avec la garde parallèle. Ils ont ensemble pour couvrir. Ce qu'ils ont planifié, il avait le souci. Les événements du 28 septembre, la manifestation était projetée. Le pouvoir en est informé. Est-ce que le pouvoir ne pouvait pas fermer le stade pour empêcher la rentrée? Maître, j'ai parlé ça ici avant la pause. C'est ça le problème. N'est-ce pas, ils ont ouvert le stade pour piéger les manifestants? Mais c'est leur organisation. C'est ce électrocuter? C'est ça? Tirer sur les gens? Affirmatif. Quel est l'élément militaire ou infiltré
qui a été poursuivi par le pouvoir en place. Avec la haute gendarmerie qui est là, ils n'ont pu arrêter aucun élément. Si parce que le président lui-même, il est devant les faits. Si tu arrêtes aujourd'hui même un seul élément dans ce pays, mais quand le président donne le ton, on te libère. Tu n'oses pas. Devant une armée régulière. Régulière. Et l'armée guinéenne est une armée régulière. Que des infiltrés viennent commettre des exactions. Et cela reste impuni. C'est possible? C'est impossible. N'est-ce pas, le pouvoir est de mèche avec ce groupe? Le pouvoir est le premier et le dernier. Marcel, est-ce que la clinique Pasteur a subi des dégâts de vous? Non. La grenade que vous aviez en main, est-ce qu'on peut lire dans vos intentions pour savoir qu'est-ce que vous faisiez de cette grenade? Non. Est-ce que quelqu'un a été tué par cette grenade? Non. Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un par cette grenade? Non. Quelles conséquences on peut tirer de l'utilisation de cette grenade que vous aviez? Rien. Est-ce que Marcel est mauvais ou il est bon? Vous dites? Marcel est bon, mauvais lors de ces événements ou il est bon? Je suis un homme loyal quand même. Loyal. Est-ce que on vous a envoyé un scellé de votre arme que vous avez utilisé pour tirer? Je n'ai pas utilisé d'arme contre une personne. Il ne peut pas envoyer d'arme de scellé pour ça. On dit que vous avez tiré. Non, je n'ai pas tiré. La partie civile qui parle. Ça, c'est les suppositions, ils parlent. Que vous avez tiré? Ouais, non. Est-ce qu'on a utilisé la balistique? Est-ce qu'on a utilisé le moyen légaux permettant d'identifier les traces de Marcel lors de ces événements du 28 septembre? Ah, ce n'est même pas... Ils ont peinturé le stade, maître. Ils ont camouflé les preuves. Qui a intérêt à camoufler les preuves? Ben, c'est l'État. Qui a intérêt à les camoufler? C'est l'État, les coupables. Est-ce que vous avez caché quelque chose? Mais moi, je n'ai pas les moyens là pour faire ça. Qui a intérêt à cacher la vérité? C'est ceux qui ont commis. Est-ce que c'est vous qui avez refusé d'aider à la manifestation de la vérité ou c'est Tegoro et Dadis et son groupe qui ont refusé d'aider à la manifestation de la vérité? C'est pourquoi je suis revenu pour mettre clair les choses sur le point. Monsieur Tegoro a appartenu à tous les pouvoirs dans ce pays. N'est-ce pas un homme fort? Pas un homme fort, mais un homme... Bon, je ne vais pas qualifier, mais c'est un homme à part. Un homme à part. 3 points de suspension, point d'exclamation. Le service anti-drogue, crime organisé, tout crime, Tegoro poursuit. La drogue, on ne rend pas compte. La voiture, on ne rend pas compte. Les biens, on ne rend pas compte. Quel rôle Tegoro est en train de jouer dans ce bien, film? Bien, maître, vous êtes un vrai avocat. Je veux attirer l'attention du tribunal sur un point. Antidrogue. Il y a eu des arrestations. Où est partie la drogue? On a suivi le jugement du colonel Tegoro à la transition du général Sekouba Konaté ici. La justice l'a convoqué d'envoyer les preuves. Où sont les preuves? D'ailleurs, c'est les drogues-là qu'il vendait et se partageait avec son président. C'est pourquoi ils sont devenus riches. Voilà, c'est ça la vérité. Où sont parties ces drogues? C'est un ministre puissant. Mais ils se sont enrichis au dos des autres en vendant ces drogues.
that is show. Parce que si on doit brûler, ça c'est le vrai terme pour que le peuple comprenne, aller envoyer comme on voit devant la télé les drogues qu'on brûle, ce n'est pas un ministre qui doit le faire, c'est l'autorité judiciaire qui doit déléguer les hommes confiants pour faire ces exactions et envoyer une autorité pour sécuriser le lieu pour brûler. Mais si tu le fais, c'est que tu es en train de brûler de la farine et le reste, tu profites. Ça, c'est une stratégie que tout le monde connaît. Est-ce que la justice, mais ils sont tous riches, hein, ils ont des buildings. Hein. Est-ce que la justice a été mêlée à ces opérations? Non. C'est pourquoi la justice lui a convoqué devant la barre de montrer les scellés des drogues saisies. Est-ce qu'il a montré cette scellée? Aucun. En tout cas, le peuple de Guinée n'a pas vu ça ici à la télé. Est-ce que Tegoro joue vrai dans ce pays-là? Non. Tegoro n'utilise pas le pays à sa guise? C'est ça. N'est-ce pas des gens qui abusent du pouvoir, qui se moquent de ce peuple? Bon, je ne rentre plus dans ce... Bon, voilà. Est-ce que des fouilles ont été organisées par le pouvoir? Est-ce qu'on a tenté d'exhumer les corps, c'est-à-dire les morts, okay, les morts au stade du 28 septembre? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait. Pourquoi? Ils étaient pressés. C'est vous qui les avez empêchés? Non, mais moi, je ne suis pas président ni chef d'état-major. Nous, gouverneurs. Si vous reprochez de quelque chose, est-ce qu'on va vouloir effacer les traces d'un crime, d'une infraction? Non. Si vous ne vous reprochez pas de quelque chose. Ouais, si tu te reproches, tu dis rien. D'abord, ils devaient avoir l'autopsie. Comment ils vont faire l'autopsie? Eux-mêmes qui ont fait la sauge et ils viennent faire les enquêtes. L'enquêteur, le victime, lui, c'est-à-dire celui qui a commis le crime devient enquêteur. Comment on peut trouver le coupable? On ne peut pas trouver le coupable. Tu as le pied sur l'aiguille, tu cherches. Où est l'aiguille? On ne trouvera pas. Il y a des choses qui sont floues dans ce dossier. On va à la recherche de Toumba. On va à la recherche de Paul Mansa. On cherche la peau de M. Marcel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on cherche la vérité ou on cherche la tête des gens? C'était une façon Machiavel pour se couvrir de beaucoup de choses et ça n'a pas marché. L'histoire est là, Dieu ne dort pas. Hein. Ils étaient dehors, ils marchaient, nous on était là. Aucun d'eux ne nous rendait visite, il n'y avait aucune relation. C'est ici maintenant, ils vont commencer à rire, faire des petits rires avec nous. Ça ne marchera pas. Alors, je ne vais pas trop vous poser de questions, je vais m'en arrêter là. C'était juste pour une annonce. J'en ai terminé, monsieur le président. Plus de questions. Vous pouvez alors disposer, monsieur Marcel. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, pardon, s'il vous plaît. Des questions? Le président seulement. Alors, monsieur Marcel, ça vous fait combien d'années de détention? Je suis dans ma 14e année. Hein. Vous avez fait combien de temps à l'hôpital? Ah, ça c'est trop. Hein. J'ai beaucoup d'ennuis jusqu'à présent. C'est pourquoi je suis à l'infirmerie. Depuis 2013-2014, j'ai fait presque 4 mois à la cardiologie. Je suis suffisamment pas bien portant. C'est pourquoi des fois, quand je parle, je dis au tribunal de me reposer. Pas de questions. Je vous remercie, monsieur le président. Vous pouvez disposer.
on va continuer à entendre les victimes à partir de demain. Donc cette affaire est renvoyée au 19 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.